Allez, on se retrouve pour la boîte aux lettres de septembre, le démarrage. Donc le thème, c'était une carte papier, encre, tampon, massico, voilà, mais rien de plus. La première carte que j'ai eue, donc c'est de Christelle. Je viens juste de l'ouvrir, même papier même sur son enveloppe. Juste un mot avec une petite strass. Et elle s'amusait, en fait, vous avez vu? Je sais pas si on voit bien. À mettre les papiers, là en fait elle a fait au-dessus, en dessous, et voilà. Donc franchement c'est super sympa, les couleurs sont très 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 belles, très très été. Il fait chaud, on est le 4 septembre, petit tampon derrière, donc là vraiment on est au taquet. Merci Christelle. Allez, on se retrouve pour la suite de la boîte aux lettres. On est, je sais plus si on est le 7 ou 8. Je crois qu'on est le 8 septembre. J'ai reçu la carte de Laurence. Voilà. Pour l'échange qu'on fait donc tous les mois. Donc là, c'est tampon, encre, papier. Voilà. Donc pas de gros matériel, pas de choses comme ça. Donc à part perfo, encre, papier, elle n'a pas utilisé. Voilà, énorme. Et franchement, on a fait basique. C'est top, non? Elle est super belle sa carte. Les couleurs sont magnifiques. Et sur son enveloppe, elle avait fait aussi un petit rappel comme ça. Super sympa. Merci Laurence pour ta carte. Allez, on se retrouve pour la suite de la boîte aux lettres. Avant de partir en vacances au mois de septembre, j'ai eu dans ma boîte aux lettres, je crois la veille de partir, donc j'ai pas eu le temps de filmer. Je ne sais même plus si j'ai eu le temps de lui envoyer un message, donc par avance, désolée Laurence. J'ai reçu de Laurence Crap, donc Laurence, une petite boîte comme ça, en Colissimo, et j'attendais rien en fait. Et là, j'ai ouvert, déjà j'ai eu plein de confettis, et ils sont pas tous sortis. Quand j'ai ouvert, il y en a plein qui sont sortis, et il reste encore au fond. Et j'ai reçu, hop là, trois petites cartes, parce qu'elle m'avait envoyé un message quelques jours avant me disant: oh, j'ai oublié, je viens de trouver que j'ai oublié de te poster deux cartes, machin, voilà. Du coup, elle m'a posté trois cartes. Alors, j'ai plus l'ordre. Je les ai regardées, je les ai remises. Donc, j'ai reçu une carte dans du papier velin, comme ça, avec un papillon velin qui, en fait, qui fait l'attache de l'enveloppe. Franchement, c'est trop, trop beau. Et une carte avec, franchement, les. Elle est superbe, j'adore ton fond là, c'est super bien fait. Et voilà, en fait, elle m'avait fait cette carte pour la remercier parce que je lui avais envoyé un catalogue Stampin' Up. Et cette carte, ah ouais, elle est sublime. Cette carte était pour mon anniversaire, qu'elle avait oublié de me poster, et elle est sublime. Le fond est superbe. L'origami, alors moi je suis super quiche en origami, donc c'est super beau. Et des petites taches noires, enfin c'est. Tout ce que j'aime dans une carte, c'est très clean, c'est très sobre. J'aime vraiment beaucoup avec le petit rappel du rose en dessous. Franchement, elle est super douée, Laurence. Faut qu'elle scrape encore plus parce qu'elle fait des trucs qui tuent, qui déchirent. Et j'ai reçu celle-là pour un autre catalogue, en fait, que je lui avais envoyé là. Et j'adore. En fait, elle a un style de scrap, de carterie que j'aime vraiment beaucoup. C'est très classe, avec un petit brin de folie et très sobre, enfin, mais coloré à la fois, mais enfin, je sais pas, il y a quelque chose, c'est j'aime beaucoup son style à Laurence. Et celle qui m'avait fait cette petite boîte, les petites bricoles de paille que j'adore, qui est sur mon bureau, et à chaque fois que c'est vrai que j'ai tous mes ustensiles dedans, les règles, les. L'outil touche à tout, le crayon, le spray, la colle, les élastiques, voilà, j'ai un peu tout dedans, le scalpel. Et quand je l'utilise, c'est vrai que je pense toujours, toujours à elle. Donc franchement, merci vraiment beaucoup pour cette surprise. Ça m'a fait super plaisir. Et je dis, je l'ai eu la veille de partir en vacances, ça m'a fait super plaisir et ça m'embêtait de ne pas avoir le temps de faire cette vidéo. D'ailleurs, je vais les enlever parce que je vais les accrocher sur mon tableau des cartes. Et franchement, je. Merci, merci, merci Laurence. Donc, c'est Laurence Crap sur les réseaux. Merci Laurence. Allez, on se retrouve pour la boîte aux lettres. J'ai reçu août
et Septembre de Mimi et Septembre et Octobre de Nat, les créas de Mamouchka. Et bah, je vais les ouvrir avec vous. Normalement, je n'ouvre pas octobre tant que j'ai pas fait les cartes, mais comme j'ai déjà l'idée en tête, ça devrait pas poser de soucis, parce que des fois, ça me perturbe de voir, moi. Alors, le mois d'août. Donc, le thème était photo. Ouais, j'adore. L'idée est extraordinaire. J'adore. Brad Pitt. Trop rigolote. Par contre, bon, je savais pas qu'elle avait un nouveau chéri. Mois de septembre, c'était encre, tampon, papier. Voilà. Carte simple, en fait. Pas de, voilà, pas de choses en plus. Pas de découpe. Pas de machine de découpe. Juste la perfo. Ah, les papiers sont magnifiques. Ah, ce papier-là, là, il est superbe. Les strass. Super joli. Les couleurs sont. De toute façon, je vais laisser Brad Pitt. Ils sont superbes. Mais je pense. Est-ce qu'on peut. Oui. Il y a la photo originale en dessous. Septembre Nat. Donc, c'est donc encre, papier. Oh, j'adore ce tampon. Je l'ai. J'adore ce tampon. Je pense que c'est Lagon Lointain. Je pense le vert. J'adore toujours ce petit texte. Et donc, octobre, c'est la première carte que j'ouvre d'octobre. C'est le thème Halloween. Donc, c'est un thème qui, pour moi, est super compliqué. J'ai quasiment pas de matos Halloween. C'est pas du tout mon trip. Bien que j'aime le noir, le violet, l'orange, mais je suis pas très fan des araignées et des sorcières. On va découvrir ça. Oh, j'adore! Elle est comme moi. Elle a pas de méga beaucoup de matos et elle a réussi à s'en sortir. Oh, top! J'adore. Merci beaucoup, Nat. Ok, même à l'intérieur. Nat, qui est la chaîne Les Créas de Mamouchka. Alors, je pense que vous retrouverez en ligne la vidéo de la carte, parce que souvent, elle fait chaque mois une petite vidéo des cartes qu'on s'échange. Donc, merci beaucoup, Mimi. Quelle belle blague. Mais c'est une blagueuse, c'est une blagueuse. Et merci Nat pour vos superbes créas. Allez, on se retrouve pour la suite et fin de la boîte aux lettres. Comme ça, je vais pouvoir la mettre en ligne. J'ai reçu les cartes d'échange de Myriam, Christelle et Laurence du mois d'octobre. Je les ai vues ce week-end, donc franchement au top. Donc Myriam, c'est la seule que j'ai pas regardée. Alors celle de Christelle. Donc le thème était donc Halloween. Hop, Happy Halloween avec le jour de lessive de la sorcière. Voilà, petit détail. Voilà pour la carte de Christelle, super originale. Laurence, ses petites citrouilles, son petit fantôme avec Halloween, l'intérieur, oui. Franchement, et j'aime beaucoup le format en fait. Vous voyez, les formats ça change, c'est super sympa. Et donc, Myriam, je ne l'ai pas du tout vu, là, encore. Encore collé. Hop là, je l'ai mise à l'envers. Ah, c'est rigolo. Avec les petits yeux, comme ça, vous voyez, hop, sur les branches, là, si vous voyez bien. Avec un fond comme ça, c'est super joli. Un chat. T'as eu peur. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup son fond. Donc merci Mimi, merci Laurence, merci. Hop là, on voit pas bien. Christelle, à très vite dans une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!